Nous sommes. Enfin, je suis. Tout seul. Parce que. J'ai envie d'être diagnostiqué. Un nouveau schizophrène dysthymique pour. Langage hermétique, parce que j'arrête pas de donner mon numéro de téléphone et puis il n'y a personne qui m'appelle. Si, sauf l'autre jour, le ministère du Travail, un truc bizarre là, ils m'ont enregistré. Je refuse totalement au niveau de la loi informatique et de liberté. Loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous supprimez cet enregistrement, ils ne m'ont pas rappelé. Je sais pas si c'était un hoax ou quoi. En tout cas, je vais porter plainte pour atteinte à la vie privée. Alors nous sommes, on continue, le mercredi 2 décembre de l'année 2020. Moi j'ai dit 2 novembre, hein, l'autre vidéo, je me suis trompé. Je suis retourné dans le passé. Et on écoute du Fabrice Arfi. Alors Fabrice Arfi, je l'ai rencontré l'an dernier. Le 6 novembre, très exactement. 2019, à la salle blanche de la bibliothèque Kléber à Strasbourg. Vidéo, enfin son, parce que la vidéo, là, vous voyez peut-être. Oh non, champ visuel peut-être passé. Mais... Oh, tiens, si vous mettez mon compte. Dit à Takedine, qui avait dit à Mediapart, mais aussi au voilà. Policier, sur PV, puis au juge, sur PV, qu'il avait remis 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant en 2006 et 2007, de la part du régime libyen. Financer la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, et bien finalement, alors là, on apprend des choses. Il a changé d'avis et il se rétracte partiellement puisqu'il maintient sur Guéant. Allez, on va avancer un peu là. Fou de menteurs patentés, peut énumérer très rapidement. Voilà, nous les preuves matérielles. La justice a les preuves matérielles. Les preuves matérielles. En Libye, en 2005. En 2005, des rencontres secrètes avec un terroriste. Française, Claude Guéant. Claude Guéant, directeur de cabinet. Et Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, ministre délégué de Nicolas Sarkozy, à Tripoli avec un terroriste d'État libyen. Ah, qui là c'est quoi Abdallah Selmoussi, qui est le chef des services secrets militaires, qui est beau-frère de Kadhafi, qui est un terroriste parce qu'il a été condamné par la France à la réclusion criminelle à perpétuité 6 ans plus tôt, en 99, parce que c'est lui qui a organisé un attentat contre un avion de ligne, en 89, qui a tué 170 personnes, dont 54 Français. Guéant et Hortefeux le rencontrent. Eh ouais, elle est belle la République. Par la justice française, ils n'en disent rien à personne. Ils le rencontrent avec qui? Avec Ziad Takinine, qui est la seule personne présente, témoin, et qui fait même le traducteur. Et Hortefeux et Guéant ont été obligés de reconnaître ces rencontres parce que les preuves sont là. Nous avons ensuite les preuves c'est nous aussi à envoyer de l'argent occulte sur les comptes offshore de Ziad Takinine. Là, ce n'est pas des remises d'espèces, c'est des virements bancaires. Les juges les ont. Alors, à l'époque. Les juges ont également les preuves. De l'attentat de l'avion, il faut savoir que la France avait quand même l'intelligence de ne pas accepter. Que les Ricains survolent le territoire français. Ils étaient venus en avion, ils sont rechargés, enfin refait le plein en Angleterre, je crois, ils ont dû survoler l'Espagne. Qu'il n'avait plus aucun contact. Enfin, ça, c'était avec c'était les représailles les policiers de l'épreuve de très nombreux contacts, de très de nombreux nos, échanges. De nos amis du American Dream. C'est jusqu'au moins 2011. Entre Thierry Gobert, celui qui a reçu l'argent libyen, et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a menti. Les juges ont ça, c'est des preuves matérielles. Thierry Gobert a retiré en France. Des centaines de milliers d'euros de cet argent libyen dans les semaines et les mois et les années qui ont suivi. Ils ont les preuves que de l'argent liquide non déclaré aux autorités de contrôle a abondé les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ils ont les preuves que l'équipe Sarkozy... Monsieur Frédéric Biry m'a référé Teresa qui me fait chanter le papier que j'ai qui est retourné par David Diop. Voilà. Non mesurable, non quantifiable. Je sais pas.
un peu de mauvaise foi, là. Ça, c'est un peu... Alors, ensuite, essayer de me faire enregistrer illégalement et tout ça. Moi, je vais pas voir. Il y a des terroristes en Libye, moi. Ça, c'est des... C'est 2005, moi. En 2005, je travaille, moi, dans une auto-école interconduite à Strasbourg. Je dispense des cours de conduite en turc. J'apprends le turc parce que je suis un gaucho et que je pense que voilà, et j'apprends sola et ser le caldrum, ser au trottoir à droite, décate à la bas solama, attention une voiture qui dépasse, voilà, yeshil, crème ça, c'est les couleurs, tchabok, vite, voilà, danmec, direction et tout ça, j'apprends le turc pour voilà, pour former des gens, voilà. Mais je attendez, ah, monsieur Frédéric Piri, Harry Paul Horn, David Diop, merci, il faut un peu quand même, hein, bon, aujourd'hui c'est mercredi, jour du canard, et puis docteur Vincent Fonta, il est au centre Pinel aujourd'hui, je crois, docteur Vincent Fonta, donc voilà. Donc je vais mettre cette vidéo sur YouTube, hein, même si vous m'aviez dit que c'était un peu... Et alors, mais que fait la police, là? Je suis allé le 16 novembre, là, dire là, qu'un monsieur, là, alors la gendarmerie, en plus, elle me dit, mais vous avez demandé de l'espèce, vous étiez d'accord, mais je dis, mais j'avais pas d'argent. Alors on est encore en train de me dire... Mais y avait un ententement commun entre vous et ce monsieur-là pour faire... Ben, il faut arrêter, pour faire du black, pour 300 euros. Mais il faut arrêter les bêtises. Et surtout que attendez, à supposer que ce soit ça, à supposer, hein, au conditionnel, c'est pas Ziad Tiaghilin que je vais voir pour recevoir 25 millions... pour ensuite se retrouver Choukri Ghanem, hein, deux jours après l'entre-deux tours, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, retrouvé mort, noyé, flottant dans le Danube à Vienne. Il n'y avait pas de bol, ce mec. Il ne savait pas nager. À mon avis, c'est épanage. En Libye, il n'y a pas d'eau. Ah ouais, c'est le désert. Donc on peut apprendre à nager que dans du sable. Ah, j'ai une bonne blague de Gainsbourg à ce niveau. Mais je ne vais pas la raconter. C'est le jour du canard, mais elle est trop hard. Et, ouais, vous connaissez. Hein. Vous connaissez maintenant. J'ai envie de vous faire... interdire de Facebook et tout ça. Ouais. On est surveillé. Marc Zuckerberg, vous connaissez, je suis le webmaster de www.watchingyou.com. I'm a bot. Yeah, I'm Philippe Stocker, bot. Pas about people, hein, ça n'a rien à voir. Les about people, merci. Alors, ceux qui me reprochent de ne pas travailler, déjà, je peux prouver que je cherche activement de l'emploi. Les deux. En ne travaillant pas. Tout en étant privé de travail, puisque ce pays m'a laissé tomber. En ne travaillant pas, je ne paye pas d'impôts, et en payant pas d'impôts, je ne contribue pas à envoyer le Charles de Gaulle étoile en Libye, foutre la merde et le bordel qu'on a foutu là-bas, hein, pour ensuite se retrouver avec des enfants morts noyés, qui sont les boat people, hein, que... Faut arrêter. Stopper. Arrêtons. Arrêtons tout. Changez tout. Changez tout, changez tout. Ta gueule, filou. Ferme-la, tu vas avoir 10 ans maintenant. Mais non, t'es le prochain président de la République. End of.